Bonjour à tous. Nous lançons donc cette session des biblioses avec deux orateurs. Le premier orateur va être le docteur Eve Cariou du CHU de Toulouse et le deuxième, le professeur Denis Dubroc de l'hôpital Cochin à Paris. Donc, je laisse tout de suite la parole à Eve sur son topo. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de ce papier qui a été publié il y a un peu plus d'un an dans l'European European Journal of Medicine Nucléaire, qui va s'intéresser aux fixations extracardiaques des scintigraphies osseuses chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque. Et on va voir l'intérêt dans l'algorithme diagnostique et pronostic de ces patients. Donc, le contexte, c'est celui-ci. Vous connaissez tous cet algorithme qu'on utilise en pratique quotidienne pour le diagnostic différentiel entre les amyloses AL et la transthyrétine, les deux principales les plus fréquentes, avec donc cette scintigraphie osseuse et la recherche de gammapathie monoclonale qui permettra, en fonction donc de la présence ou non de gammapathie, d'aller à la preuve histologique pour l'amylose AL. Et en cas en absence de gammapathie avec une fixation sur la scintigraphie osseuse, de poser le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Donc les fixations extracardiaques sur ces scintigraphies osseuses, elles ont été décrites dans ce papier initialement, donc, qui se principalement intéressait à la fixation pulmonaire, publié en 2018. Et on voit que, bon, déjà, première info, que dans les sujets, chez les sujets contrôle, on n'a aucune fixation pulmonaire chez ces patients-là, et que finalement, avec le score de Perugini à 2 puis à 3, on a une augmentation du pourcentage de patients avec une fixation pulmonaire chez ces patients atteints. Donc là, on parle de bien d'amylose à transthyrétine. Donc, la méthodologie de ce papier, la voici. Donc, ils ont recensé tous les patients qui avaient bénéficié d'une scintigraphie osseuse de 2010 à 2017 avec, comme groupe contrôle, les scintigraphies osseuses négatives, donc pas de fixation, et qui avaient des critères d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc ça, c'était le sujet contrôle. Ils ont exclu, bien sûr, les diagnostics différentiels de CMH, CMH sarcomérique, autres types d'amylose, type amylose AA. Et ils ont exclu également les patients pour lesquels la scintigraphie avec les clichés précoces était soit non interprétable, soit absent. Et donc, on arrive à cette cohorte de patients de 247, avec principalement donc des amyloses à transthyrétine sauvage, donc 107 patients, 75 mutés et 65 AL. Donc cette scintigraphie osseuse, elle a été faite avec un cliché précoce à 10 minutes post-injection, qui permettait de calculer le rapport cœur sur médiastin et que s'il était supérieur à 1,21, poser le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Et des clichés à 30 minutes, donc précoces, hein, avec une tomo-densitométrie qui permettait, de, donc, sur les clichés corps entier, d'établir la fixation cardiaque et extracardiaque qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, voici le score qu'ils ont établi, donc le score de MADI, qui est finalement assez simple à calculer. Donc, le score 0, bah, aucune fixation, ni cardiaque, ni extracardiaque. Le score MADI 1, il y a uniquement des fixations extracardiaques. Alors, vous voyez ici, par exemple, une fixation pulmonaire, des fixations des tissus mous, fixation hépatique, splénique, fixation du péritoine également, qu'on peut voir, une fixation de la thyroïde. Le score MADI 2 était dans le cadre d'une fixation cardiaque unique, sans fixation extracardiaque. Et le MADI 3, on avait fixation cardiaque et extracardiaque. Donc la population, ben, on voit ici la population d'amylose pour des sujets plus âgés, comme on pouvait s'y attendre, avec des marqueurs cardiaques plus élevés. On avait un NT-proBNP nettement plus élevé comparé aux autres types d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, des strains plus altérés, des épaisseurs septales un peu plus augmentées. Et donc là, on verra après, pour le coup, ça nous intéresse un peu moins, la différence de population entre les amyloses à transthyrétine et les amyloses AL. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces résultats?
c'est que déjà, la fixation cardiaque, comme on le sait, elle est présente dans 100% des cas dans l'amylose à transthyrétine, qu'elle soit sauvage ou mutée, et que la fixation cardiaque dans l'amylose AL est beaucoup plus rare. Elle était ici dans cette cohorte de 8%, ce qui est concordant avec les séries aux alentours de 10%. La fixation extracardiaque, elle, qui nous intéresse principalement aujourd'hui, était beaucoup plus fréquente dans les amyloses AL et principalement dans les amyloses, dans les fixations digestives, hépatiques ou les fixations spléniques. Alors, ce qui est important à noter aussi d'emblée dans ces résultats, c'est que les fixations pulmonaires, par contre, étaient assez fréquentes, que ce soit dans l'amylose AL ou l'amylose à transthyrétine. Donc, ce qu'on peut voir avec ces résultats, c'est que les scores de MADI1 sont exclusivement présents dans l'amylose AL. Donc, quand on a une fixation extracardiaque, on le voit ici, score MADI à 1, on a une spécificité à 99% pour l'amylose AL et une valeur prédictive positive intéressante de 91%. Alors que quand on a un score à 2 ou 3, donc je vous le rappelle, score à 2, c'est fixation cardiaque unique, ou score à 3, fixation cardiaque et extracardiaque, on a une spécificité importante pour le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Donc ce score, il a également un intérêt pronostique. Et on le voit donc dans cette population d'amylose AL, dès qu'on avait un score supérieur à 0, donc généralement 1, comme on l'a vu précédemment, on a une différence significative sur la survie. Donc on peut peut-être supposer qu'on a une atteinte plus sévère systémique qui peut expliquer cette évolution péjorative sur le pronostic. Dans l'amylose à transthyrétine également, hein, si le score MADI est plus élevé, on aura une différence significative sur la survie. Alors que, par contre, étonnamment, on a le score MADI dans l'amylose à transthyrétine mutée, qu'ils aient un score MADI 2 ou 3, on n'a pas de différence sur la survie. Et dans l'amylose à transthyrétine sauvage, on a bien cette différence avec un pronostic vraiment plus péjoratif s'il y a une fixation extracardiaque présente en plus de la fixation cardiaque. Donc en conclusion, ce score de MADI, il est calculé sur la scintigraphie osseuse avec des clichés précoces et il va s'intéresser à savoir si on a ou non la présence d'une fixation extracardiaque. Donc c'est un examen qui est non invasif, qui est disponible et qui est utile dans la pratique quotidienne pour la prise en charge diagnostique des amyloses et il a en plus un intérêt pronostique, ce qui est intéressant pour la prise en charge de nos patients. Donc, on l'a vu, hein, on a un score MADI 1 va être hautement spécifique d'une amylose AL. Et donc, ça peut être intéressant également, puisqu'on sait que souvent, on n'aura pas de fixation cardiaque chez ces patients-là. On peut, si on a une fixation extracardiaque, vraiment augmenter notre suspicion diagnostique pour l'amylose AL. Alors que si on a soit une fixation cardiaque unique ou une fixation double cardiaque et extracardiaque, on aura une chance plus importante d'avoir un diagnostic d'amylose à transthyrétine. Donc simplement, les limites de cette étude, c'est que cette scintigraphie osseuse avec clichés précoces n'a pas été reprise dans les dernières recommandations avec le consensus d'experts de Dorbala de 2019. Et donc, elle n'est pas réalisée en pratique quotidienne dans tous les centres. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Avant éventuellement de poser des questions de la part du public, j'ai moi deux questions en fait. La première qui concerne les papiers, parce que j'avais lu à la fin qu'il avait été proposé aussi éventuellement une modification de l'algorithme diagnostique proposé dans les recommandations, mais je ne suis pas arrivée à les décharger. Donc en fait, ça consiste dans les remplacements de la scintigraphie osseuse classique avec ce type de protocole ou il y a un autre type de Oui, prise en charge suggérée? ça serait une proposition de nouvel algorithme, mais la limite à ça, c'est que pour l'instant, tous les centres ne font pas de clichés précoces déjà, et je ne suis pas sûre qu'on ait encore suffisamment de preuves pour éliminer la preuve histologique dans le diagnostic d'amylose AL, puisqu'on n'est pas sûr du 100%. Et donc, je pense qu'on doit encore rester à la preuve histologique en cas d'amylose AL. Non, merci. Et puis, j'ai une autre question
concerne en fait un peu les résultats. Bon, c'est vraiment magnifique, je dirais, que si on a un score MADI à 2 à 3, on a sensibilité, spécificité presque des 100% pour les diagnostics de l'amylose transthyrétine. Parce que vraiment, c'est ce qu'on s'attend à chaque fois pour un tel diagnostic qu'on considère parfait, quoi. Donc, c'est vraiment magique, on va dire. J'ai quand même une question qui concerne la fixation tissulaire. Je vois qu'il y a des sujets qui ont une fixation pulmonaire plus fréquente et sont plutôt des amyloses. Ouais. Et par contre, là, il y a la fixation de la rate et hépatique qui sont plutôt d'autres types d'amylose. Est-ce qu'on pourra utiliser cela aussi comme un critère diagnostique éventuellement? C'est vrai que c'est un peu la limite ou la précaution, je pense, dans ce papier, c'est que on ne doit pas aller d'emblée, d'office vers une amylose AL quand on a une fixation pulmonaire, parce qu'on l'a vu, il y a quand même beaucoup de sujets qui ont une fixation pulmonaire qui sont des amyloses à transthyrétine. Alors que bon, pour le coup, la fixation digestive a l'air assez spécifique pour l'amylose AL, en l'absence bien sûr de fixation cardiaque. Mais c'est vrai que c'est intéressant et probablement que c'est lié à la participation systémique de cette amylose AL qui peut expliquer ces fixations extracardiaques. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai regardé nos publics pour l'instant, non, mais. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je peux faire un commentaire parce qu'on a encore quelques minutes. Donc effectivement, merci d'avoir choisi ce papier, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai, c'est toi qui l'as choisi. Effectivement, c'est un papier issu de cette équipe et je crois que le but c'était vraiment de. On voyait ces fixations extracardiaques et on ne savait pas trop quoi en faire en fait. Et donc l'idée a été effectivement de voir si ça avait une utilité. Voilà. Et donc la grande surprise, c'est de voir que dans les AL, effectivement, quand il n'y a pas de fixation cardiaque, s'il y a une fixation extracardiaque, ça oriente vers l'amylose AL. Et effectivement, dans les AL, on a été très surpris de voir des fixations hépatiques et spléniques, soit l'une, soit l'autre, soit les deux, enfin, relativement fréquemment par rapport, voilà, sans fixation cardiaque. Voilà. Et c'est très étonnant, on ne sait pas exactement ce que ça marque. Hein. On a aussi des amyloses AL avec des fixations rénales, sans fixation cardiaque. C'est assez étonnant, en fait, du point de vue du mécanisme physiopathologique, je ne le connais pas, d'imaginer qu'on puisse fixer sur un organe et pas sur l'autre. Alors que le TTR, effectivement, c'est des fixations diffuses. Et comme tu le disais dans les TTR, quand on avait des fixations diffuses, le pronostic était mauvais, mais c'est probablement lié à l'évolution de la maladie, c'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'ils vont développer de l'amylose un peu partout, quoi. Donc c'est probablement des formes plus tardives. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les formes tardives ont moins de fixation cardiaque que les formes plus précoces, parce que le traceur va en fait diffuser partout et dans les ratios que l'on a. Si on fait notamment le ratio cœur sur corps, et ben on a moins de C'est fixation. ça. Et parce que la fixation devient diffuse. Enfin, il y a le grand spécialiste de la scintigraphie qui est Olivier. Donc voilà. Et puis pour le précoce, ben nous, on n'utilise que ça. Mais il y a d'autres papiers qui vont arriver, d'autres équipes qui confirment ces résultats. Mais là, je ne peux pas en parler. Mais ça arrive. Voilà. Donc je pense que précoce, l'intérêt du temps précoce, c'est d'économiser du temps machine et de pouvoir faire les examens même tard l'après-midi, puisqu'on n'est pas obligé de reprendre le patient à distance. Et c'est vrai que ce n'est pas encore utilisé par toutes les équipes, mais c'est Olivier le spécialiste. Alors. Non, sur la fixation extracardiaque, sur la fixation, on ne connaît pas très bien le mécanisme de fixation. Hein, on sait que c'est lié au calcium et du coup probablement au métabolisme phosphocalcique qui lui dépend aussi de l'environnement, le pH, etc. Ce qui fait qu'on peut imaginer que dans certains organes, on a un environnement un peu différent qui fait qu'il y a une liaison du radiotraceur sur le calcium des fibres. Ça reflète toujours la présence de fibres. Hein. Mais le mécanisme exact, on le connaît mal. Et après, pour les temps précoces, ouais, c'est débattu, hein, et tout le monde ne l'utilise pas. Ceci étant, je pense qu'il faut faire attention, parce que suivant les traceurs, et moi, on m'a envoyé des images de certains centres où, suivant le temps d'acquisition que tu fais, tu n'as pas tout à fait la même cinétique de fixation du radiotraceur. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier. On peut se faire avoir et on peut avoir des. On s'aperçoit qu'en fait, tous les traceurs ne se valent pas et probablement tous n'ont pas la même cinétique de fixation. Oui, c'est-à-dire que le traceur HMDP qu'on utilise a une fixation dans les tissus mous dès la 10e minute, en fait. Enfin, donc, la chose qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, comme c'est les tissus mous qu'on voulait, on n'avait pas obligé d'attendre 3 heures la fixation osseuse, en fait. Hein. C'est ça le substratum que vous connaissez, mais
Donc effectivement, ce qu'on fait, c'est un contraste entre le cœur et l'os, mais comme l'os, finalement, on n'en a pas besoin. L'idée était d'aller plus vite, en fait, et de gagner du temps machine et du temps d'examen pour les patients, qui sont souvent très âgés, d'ailleurs, dans les séniles, donc c'est pas plus mal de ne pas les laisser 4 heures à la scintille pour faire les différents examens. Enfin, c'est comme ça que nous, on a réussi à faire plus de patients. Est-ce que ça veut dire qu'on doit conseiller à nos isotopistes de choisir plutôt l'HMDP que le DPD? Ben, on a comparé, nous, les deux traceurs, et il n'y a pas de différence en fait, entre les deux traceurs. HMDP et DPD, c'est pareil. C'est le MDP qui marche moins dans l'amylose. Mais là, Olivier, je ne sais pas, toi, tu as une expérience. Le MDP, définitivement, ça, il y a des études qui montrent que clairement, on a des faux négatifs et ça ne fixe pas très bien. Et ensuite, le HMDP et le DPD sont considérés comme ayant exactement la même valeur. Ceci dit, on va voir sortir quelques petits cas cliniques, enfin des trucs, des case reports qui montrent qu'on a peut-être des fois des différences. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est le pyrophosphate, le PYP, qui lui a une cinétique beaucoup plus rapide et qui peut être imagé dès une heure. Enfin, c'est pas, le PYP n'a pas du tout la même cinétique de fixation que le DPD et la chaîne. Bon. Du coup, je vais reprendre la main parce qu'on va passer au topo suivant. Je vous introduis du coup la présentation du professeur Duboc de Cochin qui va discuter des résultats de l'assistance de longue durée chez des patients porteurs d'amylose comparé à d'autres populations de patients sur les données de registre Intermax. Bien, bonjour à tous. Je vais essayer de faire l'écran partagé. Est-ce que vous l'avez là? On l'a en forme en présentation PowerPoint. Oui, je cherche diaporama. En tout cas, ça passe. Ça passe. Alors, où est-ce que c'est diaporama? C'est tout en bas à droite. Oui, exact. Alors oui, c'est un article qui s'intéresse à l'assistance circulatoire de longue durée basée sur le registre Intermax, interagence aux États-Unis qui recense tous les patients qui sont assistés, quel que soit le système d'assistance circulatoire, en regardant s'il y avait une particularité pour les patients atteints de cardiopathie amyloïde. Alors, amyloïde, il n'y a pas de distinction de fait entre les différents types d'amylose cardiaque. Ce registre, c'est des patients qui ont été inclus dans ce registre entre 2005 et 2017. Vous voyez qu'il y a beaucoup de patients dans le registre en général, presque 20 000, un peu plus de 20 000. Mais dans les cardiopathies amyloïdes, naturellement, la proportion est beaucoup plus petite, probablement parce qu'il y en a beaucoup moins que des cardiopathies dilatées, mais aussi peut-être pour des raisons d'acuité diagnostique qui n'ont peut-être pas été exhaustives, même s'il y a eu un certain nombre de patients qui avaient une histologie sur des fragments de myocarde ou sur le myocarde entier quand il était retiré complètement. Alors, les différences, donc, c'était d'essayer de voir s'il y avait une particularité pour les patients assistés en longue durée dans le domaine de la cardiopathie amyloïde. Vous voyez qu'en termes de population, il n'y a pas grande différence, puis c'est difficile de sortir une différence significative, même si leur méthodologie tenait compte de cette hétérogénéité entre les dilatés, les restrictives non amyloïdes et les amyloïdes qui sont au nombre de 46 dans ce registre de plus de 20 000. Alors, les patients étaient naturellement sévères. Il y avait un peu plus de Intermax profil 1, c'est-à-dire en gros c'est du choc cardiogénique, en pourcentage dans les cardiopathies amyloïdes que dans les cardiomyopathies dilatées. Ils avaient beaucoup d'ICD pour les deux premières catégories, beaucoup moins dans les cardiopathies amyloïdes. Naturellement, la fraction d'éjection était pratiquement normale dans les cardiopathies amyloïdes, mais surtout, c'était le diamètre qui était normal dans les cardiopathies amyloïdes versus
ce qui est observé dans les cardiomyopathies du NT est tout à fait normal. Le NT pour BNP était en moyenne plus élevé, vous voyez, 1600 versus 4000, mais enfin, est-ce que c'est une grande valeur? Sinon, pas d'autres différences sur les paramètres biologiques. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le type de device utilisé, c'était en grande partie des LVAD, des monoventriculaires gauches polydilatées, ce que l'on sait, alors que pour les amyloïdes, il fallait soit des BIVAD, mais bon, les BIVAD, on n'en fait guère plus maintenant, soit des cœurs artificiels complets, parce qu'il y avait une défaillance plutôt biventriculaire et que les assistances longue durée sur les dilatés étaient plutôt des monogauches avec un DD préservé. Le flux, peu importe, il n'y avait pas tellement de différence entre les deux choses, mais quand on regarde, alors c'est les résultats qu'il présente, hein, les amyloïdes versus les non-amyloïdes ou les dilatés. Alors là, c'est de l'incidence de mortalité. Vous voyez que à l'ablation du matériel théoriquement en vue d'une transplantation, vous voyez que la mortalité est de l'ordre de presque 40%, ce qui est très différent des autres et en particulier des dilatés, qui explique que le bridge à la transplantation dans les dilatés est quelque chose qui est passé dans le domaine, enfin, dans le domaine commun. Alors, quand il regarde en fonction du type d'appareillage utilisé, en sachant que le BIVAD et le Total Artificial Heart est beaucoup plus fréquent dans les amyloïdes que dans les cardiomyopathies dilatées. Vous voyez que là aussi, quand on regarde les courbes de mortalité, les LVAD, il y en a très peu pour les amyloïdes, mais ça mord également beaucoup. Les BIVAD, il y en a plus pour les amyloïdes, mais ça mord aussi beaucoup, beaucoup. Et les cœurs complets, là aussi, alors ça meurt un peu partout de la même façon, donc ce n'est pas une solution idéale comme bridge à la transplantation. Alors, ils ont essayé justement de faire la différence dans les amyloïdes entre les deux groupes, bridge à la transplantation ou par destination. Vous voyez que dans le bridge à la transplantation, ben là aussi, quand on compare ça aux autres, la bleue c'est la dilatée, et qu'il y a une mortalité très très importante, et que peu finalement vont arriver à la transplantation. Et par contre, par destination, c'est encore plus catastrophique car vous avez une mortalité pratiquement de 80% à 4 ans. Alors encore une fois, on est sur de petits échantillons. Autre point qui a été analysé, c'est les complications lors de l'implantation du système. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'hémorragie. Qu'il y a, alors ce qu'ils ont appelé de early neurological dysfunction, je n'ai pas très bien compris ce que c'était, mais bon, c'est une disabling neurologique probablement lié au dépôt amyloïde en périphérie, mais je n'ai pas vraiment saisi. Enfin, plus d'insuffisance rénale et plus de early major bleeding. Alors, la conclusion de tout ça, c'est assez simple. C'est que bon, il y a besoin, quand on veut assister une amylose cardiaque, encore une fois, il ne faut pas la distinction entre AL et transthyrétine, il faut bien y réfléchir et que très souvent c'est du biventriculaire, enfin de l'assistance du cardio-ouest complet, quoi. Dans ce cas-là, c'est probablement lié à la lourdeur de ce système, le pronostic n'est pas très bon. Et leur conclusion, c'est qu'il faut y réfléchir à deux fois avant de poser l'indication de l'assistant. Alors, il y aura, je sais, peut-être que ça a déjà été présenté, une autre présentation sur le travail du groupe de Sinaï sur la transplantation cardiaque dans l'amylose. Eux, je ne vais pas déflorer ce travail, cette présentation, mais quand on regarde leur conclusion, toujours sur une cinquantaine de malades, leur conclusion est un petit peu plus optimiste en termes de transplantation et aussi de bridge à la transplantation, mais encore une fois, là, c'est pas sur 9 malades. Donc voilà, ce grand registre montre qu'il y a peu d'amylose assistée et que quand on les assiste, c'est pas très bon et qu'il faut bien peser l'indication de l'assistance
surtout en termes de bridge à la transplantation, c'est des gens qui n'ont pas trop de comorbidité et probablement, comme on vient de voir, de fixation extracardiaque lors de cette mise en place. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Moi, je commence par une petite question. Pensez-vous qu'il y a un biais dans le sens qu'ils ont implanté les malades plutôt plus graves ou des malades plutôt moins sévères parmi les amyloses? Ils ont implanté des malades plus graves. Plutôt plus graves. Les autres, d'après leur classification. Il y avait un petit peu plus de stade 4 et il y avait plus de choc cardiogénique au début. Donc ça peut jouer effectivement dans la sévérité des résultats. Moi, j'ai juste une petite réflexion ou un questionnement sur une lacune, je pense, dans le papier, c'est qu'on ne sait pas quel était le type d'amylose. Alors, je pense que ce n'était pas possible de le déterminer sur les registres, mais donc. Je vois qu'avec un âge moyen de 61 ans, on aurait pu se dire que c'est peut-être plutôt les amyloses AL. Et quand on voit qu'il y a plus de patients noirs, on dirait qu'il y a peut-être plus d'amylose TTR. Je pense que c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Et puis, il y avait aussi quelque chose que je n'ai pas très bien comprise. Alors, peut-être que j'ai mal lu, je ne sais pas si vous avez la réponse. Il y a plus de mortalité, évidemment, chez les patients qui ont une amylose. Mais quand on compare aux autres patients qui ont été assistés, la mortalité est supérieure aux autres cardiopathies uniquement dans le groupe LVAD. Alors que quand on regarde le groupe amylose lui-même, on ne voit pas plus de mortalité sous LVAD qu'avec les autres devices. Donc je ne sais pas s'il y a. Je ne comprends pas très bien cette discordance. Moi, je vais l'interpréter comme ça, c'est que le LVAD, c'est bien. Mais que l'amylose et le reste, c'est moins bien, et que l'amylose, très souvent, ils ne peuvent pas leur mettre de LVAD. Donc, ce qui revient au même. Donc, c'est vrai que, surtout, ce qui est impressionnant, c'est le LVAD, qui, pour les autres cardiopathies, ce qui n'est pas le propos ici, mais qui est quand même une bonne solution quand c'est fait assez tôt, comme bridge à la transplantation, voire même quand on ne veut pas les transplanter, comme assistance par destination. Pour l'amylose, je ne pense pas qu'on puisse conclure définitivement, il ne faut surtout pas faire d'assistance dans les amyloses, sûrement pas, parce qu'il y a tous ces biais de sévérité. Et tout. Mais je crois que, avant de le faire, c'est une discussion individuelle pour chaque patient, mais ce ne sera pas quelque chose d'automatique. Mais ce que vous dites est complètement vrai, c'est que ce que l'on voit, c'est que le LVAD, c'est bien, et puis les autres, c'est moins bien. Le cœur artificiel total, quand on le met surtout en catastrophe sur des gens qui ne vont pas bien, c'est ça que ça montre, effectivement. Est-ce qu'en pratique, il faudrait ne pas attendre, évidemment, que les patients soient trop mal, et peut-être les inscrire plus tôt directement sur les attentes de greffe pour peut-être éviter le passage par l'assistance. Pour l'amylose, je pense que oui, ça me paraît être indispensable parce que j'ai l'impression que l'assistance, à un moment où on se pose la question de la transplantation, ne peut être que biventriculaire, donc totale. Et c'est là où on a la morbidité et la mortalité élevée de ce type d'assistance comparativement à celle du LVAD. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être se poser la question plus tôt et les faire inscrire sur liste plus tôt quand on sent qu'on ne les contrôlera pas. Monsieur. Donc si on part en fait sur une assistance, il vaut mieux partir d'emblée sur un biventriculaire ou... Si on n'a pas d'autre choix, parce que j'imagine que ils ne meurent pas tous, hein, mais ils en meurent beaucoup. Si on n'a pas d'autre choix, partir là-dessus et ensuite les faire transplanter. On a tous des patients qui ont été sous assistance biventriculaire ou sur
cardio-ouest ou sous le jardique avant de pouvoir être transplanté dans une autre époque. Maintenant, on a plus de patients sous LVAD parce qu'on les prend plus tôt et que le VD, on a souvent la surprise de voir qu'il peut réagir favorablement. Mais c'est vrai que dans cette pathologie particulière, on a l'impression, si on est contraint de partir sur une assistance, elle ne peut être que totale. Si je peux poser une dernière question, on voit que ces patients, en fait, ils meurent beaucoup de défaillances multiviscérales, ce qu'on comprend bien parce que, évidemment, c'est une pathologie qui est pathologie systémique. Est-ce qu'il y a dans la décision un score qui doit être fait, un score de comorbidité, par exemple, d'atteinte systémique qui fait qu'on va récuser ou qu'on va partir vers l'assistance ? Dans l'assistance ou dans l'assistance dans le but de le transplanter. Donc c'est donc dans une assistance comme bridge à la transplantation. Je crois que c'est là aussi c'est une discussion. Alors spécifiquement à l'amylose, ça dépend des temps de l'amylose aussi. S'il y a une atteinte digestive, s'il y a une atteinte rénale, là ça devient on les récuse non pas pour l'assistance mais pour la transplantation. Donc c'est dans ce cas-là, comme on sait que par destination, apparemment, c'est pas du 100%, mais il y a 80% de morts enfin, sur cette petite série, il y a 80% qui sont morts à 3 ans, et la plupart, 50% qui sont morts dans les, juste après l'implantation, on va dire. C'est peut-être un peu. On peut se poser la question, hein, quelqu'un de jeune et tout ça, mais si on en a rarement des. Ça va être du cas par cas. Je ne sais pas s'il y a vraiment dans les actuellement une grille dédiée, François, peut-être que Thibault le sait, dans les amylose, une grille de comorbidité. Si on fait le parallèle avec les deux publications qui ont donné des résultats optimistes de transplantation, que ce soit la série de Mount Sinai ou une série anglaise, il semblait expliquer que leurs résultats sont liés effectivement au screening des comorbidités. Mmh. Et qui est quasiment aucune atteinte extracardiaque. Et en particulier, pas d'atteinte neurologique, d'atteinte digestive et d'atteinte cérébrale qui sont associées au plus de complications après. Alors peut-être qu'il faudrait le même raisonnement pour les assistances pour optimiser les résultats. Et dans celle du Mount Sinai, ils ont eu 7 patients assistés. Et ces 7 patients assistés, comme bridge à la transplantation, alors, il y avait des LVAD dedans, il y avait 5 LVAD de mémoire. Ces 7 patients assistés, il y a eu 85% ou 90%, ils ont mis ça en pourcentage, ça doit être 6, donc, qui sont arrivés à la transplantation. Merci beaucoup, je crois qu'il faut conclure. Merci aux deux orateurs pour la clarté de leur présentation et pour nous avoir partagé ces deux papiers très intéressants. Et puis donc la prochaine bibliothèque aura lieu, non pas dans 15 jours, mais dans une semaine, c'est-à-dire le jeudi 3 juin, 13h30. Voilà, au revoir à tous.